Salut les amis. Bon, c'est la tempête. Ah ça va, il pleut plus. Il s'est arrêté de pleuvoir il y a, ouais, petit, il y a un petit éclairci là. Vite fait. Vraiment vite fait. Bon, sinon, la S14 est là. Mais où sommes-nous? Nous, c'est la première fois qu'on vient là. Alors aujourd'hui, on est sur le circuit de Lurcy. Alors c'est un circuit que je connais pas du tout. C'est la première fois que je vais rouler sur ce circuit-là. C'est la première fois qu'on va le découvrir. Normalement, il est vachement cool. Enfin, quand je vois les vidéos, quand je vois les trucs et tout, c'est un circuit qui est assez grand. Des grandes courbes, des grands virages, ça passe sur des trucs serrés comme ça passe sur des trucs extra larges. Mais voilà. Ah, quelqu'un qu'on avait déjà vu au CFD. Et comme on peut le voir, il y a du beau monde. Eh bien le bonjour. Et salut. On est chaud, il fait froid mais on est chaud. Bon ça va encore, le soleil sort. Tranquille. Alors mon gars, pression Arnaud, pression. Pression quand même. Alors ouais, j'ai une petite pression quand même parce que c'est vrai que c'est un grand circuit. Il est vachement rapide. J'ai encore jamais roulé ici, donc pour moi ça va être une découverte complète. Donc ouais, forcément ouais, la petite pression quand même. Même si je sens qu'on va bien s'amuser, il y a plein de caisses de ouf. On va coller le petit sticker de la Crêperie Factory édition 2 et on va aller s'amuser avec les autres. Hey. J'ai peur. Hein? J'ai un peu peur. Il est énorme le circuit. Le circuit, il est immense déjà. Oh, il y a de l'eau qui coule. L'eau coule. Putain. Pourquoi il y a de l'eau qui coule de là? Mec, il est en train de nous pleuvoir dessus alors qu'il fait plein soleil. Sam, what the fuck. Ah, il est immense. Ah là c'est dingue. Par contre t'as vraiment pas intérêt à sortir ici hein, parce que c'est vraiment Ouais. Ah ouais à fond ouais. Ah parce que là on a un virage qui fait mais 3 km de long. T'as vraiment pas le droit à la faute quoi. Ça. Putain si tu sors c'est... Ah ouais il part tout seul hein. Ah bon. Oh la merde.
Je sais même pas quoi dire. Nous sommes arrêtés en plein milieu. C'est la loose. C'est la loose. La voiture n'a plus loose. Y'a plus rien. Y'a plus rien. Y'a plus de jus, y'a plus de contact, y'a plus rien. Ah, y'a plus rien. Oh là. On a fait un petit tête à queue. Je pourrais dire que j'étais pas au courant. Hein. Toujours branché ou pas? Essaye de resserrer, bah, si tu veux bien. Bah voilà. Bon, bah finalement, c'était que la batterie, encore une fois. Là, cette fois-ci, on a trouvé moyen d'ouvrir le coffre. Donc c'est bon, on peut réparer cette fois-ci. Ouais, tu vois. Ouais, j'aime pas quand ça fait ça. Là, le problème, c'est qu'on est entre sec et mouillé. Et du coup, des fois, quand on va déclencher, on va glisser doucement. Et d'un coup, ça va reprendre. Et d'un coup, ça va redécrocher. Donc, on peut pas mettre trop de vitesse. On peut pas trop envoyer. C'est. Ouais, j'aime pas trop quand ça fait ça. Là, j'étais trop chaud. Ah, mais tu vois, trop de grip et t'arrives sur une zone mouillée. Ouais. Et c'est parti. T'as laissé de ces traces de bâtard. Sale. T'es rentré vraiment de billets, gros. Ah, complètement, ouais. Ah, carrément. Mais sinon, c'était con parce que ça envoyait bien là. Ah, bon, et là, t'as envoyé comme un porc. T'as envoyé comme un porc. T'es qu'un porc, Francis. C'est vraiment la mare au canard en plus ici. Un petit direct. On se fait tracter, Mathieu. On se fait tracter. On est resté en je sais même pas comment mes roues sont braquées, frérot. Tant qu'elle avance, c'est bon. Par contre, là, ça va monter, ça va être chaud. Ça, espérons que ça touche pas. Eh bah, si. Bah, ça commence. Déjà, le bas de caisse, on va le resserrer avant qu'il se fasse la malle. Sinon, vu qu'on a fait la première sortie, bah voilà, hein, elle est déjà dans un état. La voiture, elle est déjà dégueulasse. La jante avant, pareil. Elle a pris cher aussi. Bon, on va repartir et on va essayer de voir ce que ça donne. Thank you.
ce genre de pneu qui est en train de taper sur mon aile là. C'est magnifique. Ouais, j'ai arraché un pneu. Mais c'était très beau parce qu'à la base on s'amusait avec une S13. Sauf qu'à un moment j'ai entendu un bruit métallique, tu vois. Ouais. Morceau d'aile en moins. Voilà. Petit morceau. Ah ouais. Ah ouais, en effet. Là, oh, la qui s'est arrachée. C'est le truc bon, hein. Et comment ça se fait qu'elle s'est arrachée à l'envers? T'as une bande de roulement qui est venue taper tout le tour, tu vois. Ouais. Le truc c'est qu'à mon avis, en tapant dedans, ouais, elle est venue le décrocher en fait, et lui il s'est retourné comme ça, courbé. Et du coup quand je roulais, ça faisait... Bah ouais, tu m'étonnes. Je te félicite pas, garçon. Ouais, je me doute, ouais. Bon, on va fermer la trappe quand même, ce sera mieux. On a remis la plaque en place. Les jantes sont montées avec des nouveaux pneus. Bon, comme tu le vois, la voiture elle a pris un petit peu cher. J'ai recassé un petit peu ici le coin de mon bas de caisse et j'ai recassé un petit peu ici le contour de mon aile. Je connais un petit chanceux qui va faire un tour dans ce genre de voiture. Rien que ça. Donc là c'est une S13 en SR20, du coup qui fait à peu près 450 chevaux. D'ailleurs je voulais te demander, tu souffles à combien? 1 bar 2. 450 à 1 bar 2. T'es vachement décomprimé, non? Ça fait... Tu vois? 1 bar 2, 450, impressionnant. S'il y en a qui savent me dire ce qui fait qu'il arrive à sortir 450 à 1 bar 2, je veux bien savoir, mais gardez-moi cette caisse. Là. Ça va d'aller, France? Il y a un arceau, ah bah oui, c'est vrai. C'est ce qui te manque. C'est ce qui me manque, ouais. Bon, bah j'espère que tu vas bien kiffer ton petit tour. Moi, hein. Il y a de grandes chances pour que je kiffe. Hein, Ah oui, ce manche, d'accord. Ça c'est du manche style Robocop le truc. Il est énorme. Bah du coup mon gros, bah, je vais passer la caméra. Bah ouais. Moi bon, je coupe le feu.
Là, je viens de démonter les 4 bougies. Donc, comme on peut le voir, elles sont toutes les 3 de la même couleur éclair. Mais on a celle-là qui est vachement plus foncée. Là, j'ai remonté toutes les bougies. Je les ai un peu mieux serrées parce qu'il y en avait 2 d'entre elles qui n'étaient pas serrées vraiment comme il aurait fallu. Donc là, voilà, donc tout est serré correctement. Maintenant, vu que c'était sur le premier cylindre qui avait ce problème-là, je vais peut-être essayer de changer aussi la bobine au cas où c'était ça. Nouvelle journée. Il est 8h du matin et il caille à mort. Je suis gelé. Toi, qu'est-ce que ça dit, Friends? Je caille sa mère. J'ai pas envie de bouger, vrai. Ah, pareil. Sinon, on va aller faire quelques essais avec la S14, voir si le truc qu'on a fait hier, si ça règle le problème, bien que j'en sois pas sûr. Faut espérer, maintenant qu'elle est froide, peut-être qu'elle va fonctionner correctement, à voir. Bon, bah a priori, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, la voiture, elle tourne normalement. Alors j'espère que ça va continuer. Là, j'entends bien mon turbo chargé, la richesse est bonne. Pour l'instant, ça sent bon. Normalement, la voiture tourne bien. On va reprendre sur le circuit, là. On va aller reprendre un peu de training. Et en espérant que cette fois-ci, ça tienne. Ça serait cool. Parce que là, j'ai une envie de drifter, mais à mort. Déjà qu'hier, je me suis bien emmerdé à revoir tout ce qui clochait sur la voiture. Tout démonter, tout regarder et tout. Là, il serait peut-être temps que je puisse en profiter au moins un peu. Là. Moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, moi non plus, hein, de toute façon. T'en fous aussi? Ah non, je m'en fous. Ah bon, bah ça va alors. Cassé, donc. Au moment où je me lève la tête. Ah, j'ai pas compris, je me dis. Ouais, j'avais vraiment. Enfin, je suis à 2 doigts du tête à queue, mais j'ai dû perdre de la vitesse, tu vois. Je me dis, ça se trouve, c'est à cause de ça qu'il a tapé. Ah non, nous, l'avant, il s'est bloqué direct. Ah non. Ah bah voilà, c'est bon. Moi, ça m'a fait canater. Un colson, et c'est gagné. Moi, j'en ai. Ce tracé est tellement dingue, il est vraiment ouf. La descente avec les premières transitions, ouais, c'est pas.
énorme quoi. Bon, on a encore tué les derniers pneus, on a encore démanchonné, ça c'est pas un secret, on a fait que ça ce week-end, donc voilà. Soit la S14 elle se porte pas trop mal, bon, on a rajouté des petits coups, hein. Comme ce genre de pare-choc de 350Z tapé par exemple. Lui ça va, il a rien du tout. Soit il a à peine été touché. Pas plus de dégâts que ce qu'il avait avant, donc bon. Hein, ça va ? Ouais. Mais ouais. Beaucoup de fun. En soi, je pense que l'année prochaine, s'il y a une autre édition, je pense qu'on remettra ça. Regarde-moi ça, elle est pas belle. De merde, c'est juste dingue. Tellement il y avait de grippe et avec le vibreur que j'ai pris quoi, ça a déjanté. C'est la première fois de ma vie que je déjante. J'ai jamais déjanté avant. Bon, flingue suisse. Bien. On se change ça en vite fait. Ouais. J'avais vraiment la sensation d'avoir perdu la route. Enfin de l'avoir perdue ou tu sais qu'elle était desserrée et qu'elle bougeait droite, gauche, droite, gauche. En fait tout s'explique quoi. Toute bonne chose a une fin. Hein. Et ouais. On n'a pas le choix. Hein. Il faut bien partir un jour d'ici. Bon, enfin, les gars, du positif quand même. On va pas parler du négatif. Parce que certes, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la voiture. J'ai démanchonné plein de fois. J'ai eu la batterie qui s'est arrachée. Du coup, la première journée, j'ai pas pu trop profiter. Mais la deuxième,
J'ai enfin pu profiter quand même, même si j'ai démanchonné quoi, 4 fois je crois aujourd'hui. C'est 4 fois. Mais bon, ça va. Le positif, c'est que c'est ce que je disais à François, la semaine prochaine on est à Mérignac. Je suis content quand même d'avoir eu les problèmes sur la voiture dans le sens où je les ai découverts maintenant du coup et pas là-bas une fois que t'es en compète et que c'est la galère pour toi, tu sais, quand t'as des problèmes à régler entre deux runs d'essai ou de qualif. Coucou la caméra. C'était des sessions de malade. Et ouais, donc comme je disais, entre ces bons petits moments aussi, parce que ça a été plein de moments comme ça dans le week-end, rencontrer beaucoup de monde. D'ailleurs, pour ceux qui verront la vidéo, je vous salue tous. C'était un bon week-end, on a passé des bons moments. On s'est bien amusé aussi sur piste. J'ai eu deux petits tandems assez sympas avec la Sky, avec la PS13 à un moment. Avec la MX5 aussi, au tout début de week-end. Alors ça, je sais pas pourquoi, je me suis senti pousser des ailes comme ça dès la première fois que je roule dessus. Enfin, c'était nimps, mais voilà, ça a été fait. Mais ouais. Du coup, là, on va se rentrer. Parce qu'on a encore 7 heures de route, on est assez mort. Je pense que François, je pense que t'es assez mort aussi. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a assez de fatigue pour ce week-end. T'as bien aimé toi ? Malgré que j'ai pas roulé, j'ai bien aimé. Ouais, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est vrai que le circuit il est un peu chaud là. Ouais, j'aurais pu tenter, mais. Ouais. Tiens, putain. Le truc, c'est que tu te sentirais de partir. Il faut le permis. Ouais, il faut le permis. Bah oui, monsieur n'a toujours pas son permis. Bon retour. Merci. Bon, du coup, France, il est parti faire ce qu'il avait à faire. Du coup, les gars, je vous laisse en petite image de la fin. Et à la prochaine.